Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du pourquoi le Canada veut accueillir 500 000 immigrants d'ici 2025. Le gouvernement fédéral prévoit une augmentation massive du nombre d'immigrants entrant au Canada, avec un objectif de 500 000 par année d'ici 2025. Si c'est ta première fois que tu me découvres, je te demande de t'abonner, de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer les informations importantes que je m'en vais vous partager. Le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a affirmé mardi que ces nouveaux seuils étaient nécessaires pour assurer la prospérité économique du Canada, alors que le pays est aux prises avec une importante pénurie de main-d'œuvre et recense environ 1 million de postes vacants. « Notre plan met l'accent sur la croissance économique », a déclaré M. Fraser lors d'un événement à North York, en Ontario. Et d'ici la troisième année de ce plan en 2025, 60% des nouveaux immigrants seront admis dans la catégorie « immigration économique ». Le plan fédéral prévoit l'accueil de 465 000 nouveaux arrivants à compter de 2023, pour atteindre 500 000 en 2025, en mettant fortement l'accent sur l'immigration économique sur la base des compétences professionnelles ou de l'expérience de travail des demandeurs. Ottawa prévoit par contre une diminution du nombre de réfugiés accueillis au pays et une augmentation plus modérée du nombre de réunifications des familles. Le Québec peu enthousiaste. Québec, qui souhaite, au contraire, limiter les seuils d'immigration à 50 000, a accueilli cette annonce avec froideur. Nous prenons acte des seuils d'immigration présentés par le fédéral, a réagi la nouvelle ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, sur Twitter. La ministre, qui n'a pas voulu accorder d'entrevue sur le sujet, a en outre réaffirmé sa volonté de voir le Québec obtenir plus de pouvoir en immigration d'Ottawa. Notre position demeure la même, on a besoin de plus de pouvoir en immigration si on veut protéger le français. Les nouveaux seuils ont été annoncés quelques jours après que Statistique Canada eut indiqué que 23% des habitants du pays étaient en 2021 des immigrants reçus ou des résidents permanents, ce qui constitue le pourcentage le plus élevé jamais enregistré et le plus élevé parmi les pays du G7. L'institution prévoit que d'ici 2041, jusqu'à 34% des Canadiens seront des immigrants. De longs délais de traitement. Le ministre Fraser a voulu désamorcer immédiatement les critiques en ce qui concerne la réduction des seuils pour les réfugiés. Il a affirmé que le Canada avait été ces dernières années un chef de file mondial dans la réinstallation de Syriens, d'Ukrainiens et d'Afghans, notamment. Il a par ailleurs promis que le gouvernement fédéral serait prêt à gérer ce qui sera un afflux sans précédent de demandes d'immigration, et prévoit l'embauche de centaines de nouveaux fonctionnaires et la mise en place d'autres changements pour accélérer le processus. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez.